On se trouve dans un contexte où la relation entre le Québec et le Canada, d'une part, mais plus généralement, même la direction générale dans laquelle le Canada s'en va, politiquement, économiquement, est assez. En fait, c'est très incertain. On a un gouvernement qui est radicalement à droite à Ottawa, avec une représentation québécoise au Parlement fédéral qui est au centre-gauche, disons, avec le NPD. Avec le nouveau gouvernement du Parti québécois à Québec, ça contribue à une situation qui est incertaine, probablement instable, non seulement à cause des élections provinciales qui vont sûrement venir assez rapidement, mais on a vraiment de la difficulté à saisir de quelle manière cette situation-là va évoluer. Et dans ce sens-là, donc, il y a vraiment, c'est important de prendre acte de la situation politique et économique actuelle au Canada pour essayer de pouvoir se positionner en fonction de ça, puis agir, penser et agir de façon constructive, de façon qui va nous amener quelque part. Alors, mon texte dans ce numéro-là, ça porte justement sur le gouvernement conservateur de Stephen Harper et l'importance et la difficulté de comprendre en fait qu'est-ce que ce gouvernement-là est en train d'essayer d'accomplir au Canada. L'origine du Parti conservateur de Stephen Harper, c'est principalement le Parti réformiste qui est né dans l'Ouest du Canada, qui était tout à fait radical sur les plans économiques et sociaux, puis on pourrait dire culturel aussi, hein, culturel dans le sens de, par exemple, les liens avec la monarchie britannique, sociaux sur le plan social, par exemple, la question de l'avortement, la question du mariage gay, et puis économique, évidemment. C'est un gouvernement qui est très à droite, très proche des milieux d'affaires, tout à fait néolibéral. Donc, on a ces origines-là, si on veut, dans le parti réformiste chez le parti Stephen Harper. Mais c'est un parti, puis c'est un premier ministre qui a fait campagne plusieurs fois depuis 2005-2006 sur l'idée que, en fait, le Parti conservateur, c'est un parti moderne et modéré, selon l'expression même de M. Harper. Et il se défend continuellement d'être radical, d'avoir un agenda caché, etc., etc. Pourtant, on voit toute une série d'initiatives de la part du gouvernement, de la part de membres individuels du gouvernement ou de l'ensemble du cabinet, puis en particulier de M. Harper, qui permettent de penser, à tout le moins, que c'est un gouvernement qui a effectivement des tendances radicales. Or, la population canadienne, à part le Québec pour l'essentiel, n'a pas été convaincue par l'argument des critiques de Harper jusqu'à maintenant que c'est un parti politique radical puis que c'est un gouvernement radical. La majorité, ou presque la majorité de l'électorat hors Québec a choisi de croire que M. Harper et son parti sont des modérés et modernes. Parce que l'électorat anglo-canadien ou l'électorat canadien hors Québec, c'est pas un gouvernement qui est radicalement, c'est pas un électorat qui est radicalement à droite, c'est un électorat qui est au centre-droite, si on veut, qui est assez modéré. Mais ils ont voté pour un parti qui donne beaucoup de raisons de croire qu'il est très, très à droite, alors qu'il dit qu'il ne l'est pas. Alors, comment comprendre cette situation-là? Comment évaluer effectivement dans quelle direction le gouvernement risque d'aller? Et aussi, donc, comment lutter contre ce qui, selon moi, est effectivement un parti très à droite et un gouvernement très à droite. Comment lutter contre ça dans un contexte où la population ne veut pas entendre, en majorité en tout cas, que c'est ça la vraie nature, si on veut, de ce gouvernement-là, même dans un contexte où l'agenda caché, il n'est pas si caché que ça. En fait, il y a toutes sortes de choses qu'on peut voir dans ce qu'ils ont dit, dans ce qu'ils ont fait depuis maintenant 6 ans qu'ils sont au pouvoir, qui permettent de constater qu'ils sont effectivement radicaux, qu'ils sont effectivement très, très à droite, mais encore une fois, encore jusqu'à maintenant, la majorité de l'électorat hors Québec n'a pas été convaincue de ça. Et ça, pour moi, il y a quelque chose d'un peu mystérieux là-dedans. C'est quelque chose qu'on a besoin de comprendre, qu'on a besoin d'expliquer, pour pouvoir lutter efficacement contre le parti Stephen Harper et le gouvernement Stephen Harper.